rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est l'amour de Dieu qui nous appelle. C'est l'amour de Dieu qui nous convoque. Nous sommes rassemblés autour de cet amour pour être à notre tour des amours envers les autres. Préparons-nous, mes frères, mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, à ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, tu ouvres le royaume des cieux. Fais grandir ta grâce en tes serviteurs, afin que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune des promesses de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint, vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. » Celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient les dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit de la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 30. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Ensemble. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Acclamation. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Tous les peuples battaient les mains, applaudissaient le Seigneur. Tous les peuples battaient les mains, chantaient pour lui. Alléluia, chantaient pour lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit qu'alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, parlez-nous de Jésus comme le vrai pain venu du ciel. Mais avant que nous essayions de réfléchir sur l'Évangile-là, on essaie de regarder ensemble le premier morceau de la Bible qui parlait de Étienne, premier diacre, martyr dans la nouvelle communauté chrétienne, ça dans l'église naissante, ça. Premier mot sur la Bible, là, fais-nous capable de réfléchir sur trois points qui ont rapport avec Étienne. Premièrement, Étienne a été un homme de courage. Première communauté chrétienne, non, bagaille pas toujours facile pour eux. Ils ont grandi, mais il y a des grands à l'époque qui ont essayé d'anéantir, qui ont essayé de fouler, qui n'ont pas pris expansion, qui n'ont pas développé. Mais nous saluons en pile courage. Chrétiens qui étaient gagnés dans la première communauté chrétienne, ça y est, bravo qui ont été gagnés, qui bral fait que l'évangile là bral répand un peu partout, depuis et dans le pays Israël et étant à travers le monde entier, jusqu'à ce que nous-mêmes que nous capables de gagner l'évangile, ça a, pour nous capables de connaître bon Dieu, puis bien. Étienne, il n'est pas toujours d'accord avec lui, mais il était toujours qui met courage. Il était menacé de la mort, il était toujours qui met courage. Jusqu'à ce que tu as arrivé, prendre et lapider. Deuxième attitude, Étienne Galguin, après courage ça, après bravoure ça,
C'est dans le moment que tu as pris la lapide là. Premièrement, il a pris la lapide. Il a répété la même parole que Jésus t'a répété. Là, il était sous la croix. Parce que le disciple est appelé à faire ou bien à reproduire ce qu'a fait le maître. C'est ça que Étienne t'a fait lui-même. Pendant qu'il a pris la lapide, l'Ibrahim dit, grand maître, non mais on me met l'esprit. C'est ça Jésus t'a dit, papa, l'aile de sous la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ce n'est pas pour cette raison que réponse avec l'évangile, avec le premier mot sur la Bible, c'est psaume 30 qui dit, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et troisième bagaille que nous sommes capables d'apprécier avec Étienne, c'est là que Étienne Brel dit même parole encore, Jésus te dit, elle est sous la croix. Librel dit, papa, pardonnez-yo, et par contre, ça y a fait. Étienne Brel dit, ne leur impute pas ce péché. Pour dire que Étienne fait même bagaille avec Jésus, même devant moun, même en face moun, cap lapidel yo, malgré le connaît que par contre, ça y a fait, mais le monde est comme mettre la poule, pardonnez-yo. Pardonnez-yo, papa, malgré la lapidem, parce que par contre, ça y a fait. Et c'est une David dans l'évangile après Maxime, à Jésus qui présentait-lui comme le vrai pain du ciel. Mais après, nous, c'est suite avec un gros miracle. Jésus a réalisé la multiplication des pains. Les bails pains pour plus que 5000 mouns manger. Mais Jésus était entouré des gens ordinaires, des cultivateurs, qui travaillent la terre, mais qui connaissent quoi tout. Pour eux-mêmes, Jésus n'a pas fait rien d'extraordinaire par rapport avec la manne qui était dans celle-là, les Moïse, le peuple à la manne. Parce que la manne ça, elle sortit de nulle part, ou bien elle sortit dans le ciel, elle vient de Genio. Mais Jésus, avec multiplication des pains, vous comprenez bien, c'est des pains qui étaient là, poissons qui étaient là, et Jésus multiplié. Pour eux-mêmes, c'est des pains ordinaires. Donc, la manne, non, paraît plus extraordinaire. Et Jésus pourrait le dire bien. La manne, ça nous que Moïse est banou, Moïse est banou, mais c'est papa même qui était banou. C'est vrai, multiplication des pains paraît ordinaire, mais il était un pain matériel. Ça pourrait pas être extraordinaire, qui pourrait dépasser la manne Moïse là, avec pain ça que multiplier. Hein. C'est que nous pourrions manger vrai pain. Hein. Ce n'est pas un pain ordinaire, mais le vrai pain qui sort dans le ciel. Donc Jésus fait référence à son être. Vrai pain, c'est Jésus qui livre pour nous, qui bat nous col, accent, col pour manger, sang pour nous boire, mais le bat nous dans l'Eucharistie, le vrai pain descendu du ciel. Donc au commencement, il ne va pas comprendre. Il va comprendre par la suite, après la mort et la résurrection de Jésus, il va comprendre que vrai pain, Jésus t'a parlé, hein. C'était pour col. L'élite institue, et je dis, c'est, vous le dites à Potio, mais prends ça c'est comme, prends ça c'est semble. Donc, vrai pain, hein, c'est Jésus même qui m'en a. Mais, frère, nous sommes là pour nous réfléchir, pour nous voir, qui ça nous fait avec vrai pain ça? C'est vrai, en pile fois, nous pas toujours dignes pour nous manger, mais quelquefois, c'est vrai, nous pas dignes. Mais là, nous manger, bon, c'est pas quelquefois, mais tout, toujours, là, nous manger, lui refait force nous. Lui bon nous courage pour nous avancer dans la mission. Lui fait nous sembler à Jésus. Ce n'est pas pour ça que Saint-Augustin d'après elle dit tout. Tourner ce que nous mangeons. Nous mangeons corps Jésus et tourner corps Jésus. C'est travail nous ça. C'est ça qui va nous force vraiment. C'est une nourriture pour nous. Non. C'est une nourriture qui refait force nous pour nous être capables d'avancer dans le travail évangélisation, dans la mission que Jésus confie-nous. Donc, on demande à Dieu la grâce, frère monsieur, à travers l'Eucharistie, ça, pour qu'à chaque fois que nous mangeons le vrai pain qui sortit dans le ciel, là, pour que nous soyons capables de faire un seul avec pain, ça, pour que nous soyons capables de fusionner avec pain, ça. Et une fois que nous recevons Jésus, pour nous vivre comme une autre créature, pour nous écarter nos nettes de péché, hein, et pour nous faire tout le monde découvrir dans nous que le Christ nous habite et que nous-mêmes avec Christ, là, nous faisons seul. En demandant bon Dieu la grâce, tout pour qu'il soit capable de nous, au cœur même de cette mission que le Christ nous a confiée, le courage d'Étienne, la foi d'Étienne et le cœur d'Étienne, un cœur qui arrive à pardonner même aux gens qui lapidaient Étienne. Donc Étienne a eu quand même le courage, le cœur
la foi de le pardonner. Donc on demande bon Dieu, même grâce à yo, pour que nous capables de sembler avec lui à travers l'exemple que disciple dans la première communauté chrétienne yo, te bon nous. Amen. Sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine de ce grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a affranchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
Et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants qui célèbrent leur anniversaire de naissance ou un événement heureux dans leur vie, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bénéreuse mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse d'annuler toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, au même montant, mon Dieu, qui était péché. Des péchés.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Manger ben ça, wap gagne la vie. L'homme, pas besoin de guérir sous. Si on mange ben ça, wap vin, wap glace. Pour pas, les wap fait loin encore. Ça c'est ben la vie. Merci à papa, ben la vérité. J'ai pensé à vie raillir tout ça qui fait mon mal. Si on mange pensé à vie remède pour cher avec tout cœur. Ça c'est pour la vie. Comment ne pas te louer?
Seigneur, regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie. Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame d'Altagrâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint-Michel l'Archange. Défendez-nous dans le combat. Saint-Benoît. Chassez Satan loin de nous, au nom de Jésus. Et maintenant, nous avons dit bonne fête à Xamène qui a célébré un nouveau printemps. Bonne fête à Jean-Dominique Saint-Louis et Katia Morin Saint-Louis qui a célébré l'anniversaire de mariage. Bonne fête à Michel et Nevers Célestin. Le même temps, qui a célébré l'anniversaire de mariage. Et bonne fête à toutes les amies qui a célébré l'anniversaire de naissance. Faïdra René, groupe chrétien en prière, Fortuné Patrick et Gertrude Montilus, Jéden Christ Barthélemy, Marie-Gertrude Florian, bonne fête à Marie-Josée Raymond, Olivier Saint-Preux, Paul Gerda François, Popo Harold, Rose-Laure Blaise, Sainte-Hélène d'Orseus, bonne fête à Wesley Jean-Louis, Wesley Louis-Jean, c'est la vive aux États-Unis, je dis à ces fêtes-là, nous dit bonne fête. Père Yvel Célestin Maudor, lié aux études au Canada, nous dit bonne fête. Marlène Thomas, Madame Edna Sanon, et tout qui a célébré l'anniversaire de naissance. Si Gagnon, dans nous, là, qui l'a célébré, avancez, s'il vous plaît, pour que nous puissions recevoir salutation et bénédiction. Entre-temps, nous avons chanté pour nous capables de dire tout le monde net qui a célébré. Bonne fête. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est pour bon Dieu béni. C'est pour bon. Pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci, mon Père, à vous de même. Allez dans la paix du Christ.